Très bien, donc je suis ravie de cette initiative lancée par le ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur, recherche scientifique, en collaboration avec le CNRST et Clarivate. C'est une excellente chose parce que ça encourage ce prix de Research Excellence Award, reconnaît et encourage les bons chercheurs pour qu'ils puissent continuer à faire de la bonne recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur des données. C'est une analyse de données, bien évidemment, de publications dans une des bases de données les plus connues, qui est Web of Science. Donc, nous sommes très, très heureux de cette initiative. Nous nous inscrivons totalement en tant qu'Université Hassan II de Casablanca. Nous avons nous-mêmes aussi mené un travail de restructuration, de sensibilisation sur l'importance du classement international. L'Université Hassan II était classé ces deux années, cette année particulièrement, dans plusieurs, THE Impact Ranking, où on est classé dans les 17 objectifs du développement durable. On est classé parmi les quatre universités les meilleures dans la physique, les 500 meilleures universités en physique dans le monde, dans le classement de Shanghai. Et aussi THE qui vient de sortir, THE Young Universities Ranking, où on est aussi très bien placé au niveau national. Quatre universités marocaines sont classées. Donc nous sommes ravis. Mais il faut continuer à mobiliser, à sensibiliser, parce que beaucoup de chercheurs, nous avons de très bons chercheurs, mais soit ils ne mettent pas l'affiliation de leur établissement, soit ils ne sont pas inscrits dans les plateformes de visibilité pour le classement international. Donc je pense qu'il faut mener un effort, conjuguer les efforts, donc les universités, le CNRST, le ministère, bien sûr les partenaires comme Clarivate et autres. Je pense que c'est une excellente initiative et je tiens à féliciter d'abord les lauréats, les universités qui ont été primées, les chercheurs et tous ceux qui ont permis à ce que cet événement soit réalisé, soit une réussite. Merci.